téléphone cellulaire de bien vouloir fermer leur appareil. La photographie et tout enregistrement audio et vidéo sont interdits. Veuillez noter que nous autorisons tous les breuvages dans la salle. Toutefois, à des fins de sécurité, les boissons chaudes ne sont pas admises. Notez également qu'aucune nourriture n'est permise dans la salle. Nous attirons votre attention sur le fait que le spectacle est présenté sans entrave. En cas d'urgence, nous vous demandons de vous diriger vers une sortie de secours et de suivre les conseils de notre personnel d'accueil. Bon spectacle! Nous vous demandons également de ne pas vous déplacer pour prendre photos. Nous avons un photographe et un vidéaste qui capturent les images de la cérémonie. Ces photos et vidéos seront accessibles sous peu gratuitement sur le site de l'école. De la cérémonie de fin d'études de l'école secondaire des Etchemins. Mon nom est Eric Lavoie, gradué de l'ESSEC d'ailleurs en 2010, et c'est encore une fois un plaisir d'être ce soir en votre compagnie. Les jeunes que vous verrez ce soir ont complété leurs études secondaires, certains diront même enfin. Selon les objectifs, ils se dirigent vers la formation professionnelle au secondaire, collégiale ou encore vers le marché du travail. Et à noter ce soir, vos enfants ne recevront pas de diplôme. Ces derniers vous seront acheminés directement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On a plutôt choisi ce soir d'orienter la cérémonie en fonction de leur choix professionnel. Les élèves seront donc appelés à se présenter sur scène afin de recevoir leur souvenir commémoratif en fonction de leur domaine d'études futures. Il est maintenant temps d'accueillir les vedettes de notre soir. Mesdames et messieurs, précédé de Mme Marie-Pierre Lavivé, grande diplômée 2017, et de M. François Sylvain, directeur de notre école, veuillez accueillir les finissants de la 8e cérémonie de fin d'études de l'école secondaire des Etchemins. Thank you.
Pedro. Alors, bonsoir. Pour le bénéfice de nos finissants, pour quelques secondes pour me présenter à nouveau. Gabriel Marois, qui est finissant de l'essai en 2010, animateur radio. Et aujourd'hui, donc, gradué du Cégep de Jonquière en arts et technologies des médias, bienvenue à cette soirée, à cette huitième cérémonie de l'étude de l'École secondaire des chemins. Chers distingués invités, M. Jérôme Demers, président de la Commission scolaire des navigateurs, M. François-Yves Dubé, commissaire, Mme Ariane Cyr, présidente du Conseil d'établissement de l'École secondaire des chemins, M. François Sylvain, directeur de l'École, les membres du personnel de l'École, Mme Marie-Pierre Larrivé, grande diplômée 2017, et Mme Frédéric Bernier et M. Alexis Boudreau, président de l'École, chers élèves également. N'est-ce pas impressionnant et émouvant de voir décliner nos diplômés, vos enfants? Chers parents, cette soirée est sûrement forte en émotion. Chers finissants, cette célébration vous souligne l'atteinte d'un but, soit la fin de vos études secondaires. Cet accomplissement est le résultat de vos efforts et de votre implication, à qui on soutient que vous, les parents, leur avez démontré tout au long de votre parcours. C'est la fin d'un cycle, le début d'une belle aventure également vers leur réalisation professionnelle. Peut-être que la fin des études secondaires de votre enfant évoque chez vous un accomplissement certain. On entendait